J'ai connu Accours des Breux complètement par hasard, en fait, en tombant sur une vidéo YouTube et sur Facebook également. Et puis, en fait, c'était Ellie qui se baladait dans les rues de Tel Aviv et qui passait, en fait, dans la rue pour interviewer plusieurs personnes. J'ai vu également un reportage avec Daniel Cohen dans les rues de Jérusalem. Et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, super agréable. Et de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à suivre les premières leçons. Et j'ai commencé à maîtriser un petit peu plus mon sujet, qui est effectivement de connaître l'hébreu très rapidement et facilement, sans avoir effectivement à revenir dessus de façon régulière et de façon un peu périlleuse. Alors, j'étais complètement débutante, c'est-à-dire que moi, j'ai connu en fait Israël en 2005 par le biais d'un voyage éducatif qui s'appelle Taglit. Donc, je suis tombée complètement amoureuse en fait d'Israël grâce à ce voyage éducatif. Je parlais pas un mot d'hébreu, j'ai jamais fait le Talmud non plus. J'ai commencé par un oulpan. Sauf que le fait de revenir de façon régulière à horaire fixe, à journée fixe, avec le métier que j'ai aujourd'hui, avec ma fille à côté à gérer, etc., c'est pas forcément évident. Donc, le fait de pouvoir avoir accès à un e-learning qui nous permettent en fait de revoir, de revisionner les vidéos de façon régulière. Je trouvais ça mais tellement intelligent en fait et tellement innovant que du coup bah, je me suis prise au jeu et j'ai commencé mes leçons comme ça et là je les revois de façon régulière. Alors c'est une formation en fait que moi je vois pas du tout comme une formation en tant que telle. Souvent quand tu vas en Ulpan, tu as des cours qui sont relativement cadrés, très structurés, où au bout de 15-20 minutes en règle générale tu déconnectes assez facilement. Là ce qui est intéressant et ce qui est très sympathique en fait sur ce e-learning de la Cour d'Hébreu, c'est que justement bah, tu te connectes, tu écoutes en fait une conversation entre deux personnes qui ont chacun leur culture, chacun leur vision. Itzik, il est israélien, Eli, il est français, donc du coup, ils ont une vision en fait totalement parallèle et complémentaire de l'hébreu. Et c'est vrai que t'as pas l'impression d'apprendre en fait en t'ennuyant déjà, la base, et t'as pas l'impression d'apprendre en te forçant. Et c'est ça qui est très intéressant en fait avec Accours d'Hébreu et que moi j'apprécie tout particulièrement. J'ai comme l'impression d'aller sur Netflix et en gros de me connecter et de me dire, bon, ok, je vais passer un bon moment. Et il y a pas mal de choses en fait qui sont intéressantes, c'est notamment le PDF qui est fourni où tout est retracé, tout le vocabulaire que tu apprends en fait pendant la leçon, donc tu peux le voir avant la leçon, tu peux le voir après la leçon, tu peux regarder pendant aussi, tu peux suivre avec. T'apprends des choses et tu te forces pas, donc du coup tu retiens. Accours d'Hébreu, c'est du jamais vu, très clairement. C'est quelque chose que moi j'ai jamais vécu au niveau de l'enseignement que j'ai pu suivre, que ce soit dans différentes langues. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol à l'école. Ça casse les codes de l'apprentissage. Et le fait justement de pouvoir avoir accès à des cours où t'as un ping-pong entre deux personnes qui se donnent la parole et qui se titillent un petit peu en fait en se disant bah tiens, moi j'aurais plus dit ça parce qu'en français effectivement bah, on dit un peu comme ça et de l'autre côté t'as Itzik qui dit en hébreu bah ouais mais moi en Israël ça se passe comme ça. Bah, du coup en fait tu regardes la scène et tu dis ah oui effectivement et tu retiens des choses. T'arrives à percuter là où t'aurais certainement pas percuté en fait si tu suivais un ulpan classique. Le ulpan classique je dis pas qu'il faut pas le suivre, c'est important. Maintenant pour l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire, c'est une vraie valeur ajoutée. Moi ce que je fais, j'écoute le cours, j'imprime bien sûr le PDF en amont. Je regarde en fait le PDF après le cours, le lendemain matin dans le métro ou dans le RER, rebelote, je regarde en fait pendant mon temps de trajet et je me dis bon bah ok ça c'est bon, ça c'est acquis, ça c'est pas acquis. Et s'il y a une phrase qui est passée à la trappe, bah, à ce moment-là j'hésite pas à poser mes questions. Ils sont hyper réactifs, donc du coup c'est quand même hyper agréable d'avoir un suivi de qualité comme ça. Alors moi c'est très compatible avec mon activité parce que déjà je suis chef d'entreprise, donc du coup j'ai un timing qui est hyper serré. Donc du coup je peux me connecter où je veux, quand je veux, qui veut faire quelque chose, trouve un moyen, qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Donc je pense que souvent on se dira, ah, j'ai pas le temps, j'ai les enfants, je fasse à manger, il y a les fêtes, etc. Il y a toujours un truc. Et en fait, c'est bien dommage parce que du coup, c'est pas un ulpan où on va vous dire, vous allez avoir des interrogations écrites, etc. Là, vous avez effectivement un système de quiz, en fait, à la fin de chaque leçon. Vous vous connectez quand vous voulez, vous regardez l'émission quand vous voulez, et ce qui est extraordinaire, c'est que bah, vous apprenez, en fait. Je vais parler d'Itzik, mais de l'intonation d'Itzik. Et quand on répète les mots avec l'accent israélien, ça a un autre impact quand on part en Israël. Et je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Ani Ohevet, Accours d'Hébreu. Toda Rabba Itzik, Toda Rabba Eli, Toda Rabba Accours d'Hébreu.